Bonjour. Bonjour. Ok, j'ai rangé, je réparais. Bonjour le roi Zéphira. Il fallait que j'arrange YouTube. Bonjour, bonjour la reine Claudine. Donc je suis aussi en direct sur YouTube. J'ai l'habitude de venir sur mon YouTube, c'est trop bien. Bonjour à la première personne qui vient de se connecter sur YouTube là. On va continuer l'école de la foi, on a commencé ça hier. Bonjour la reine Nathalie. Si vous prenez vos cahiers de notes. Bonjour. Bonjour la reine Nathalie. Bonjour la reine Marie-Emma. Ok. Reine Florie. Ok. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a dit hier? Bonjour la reine Suzanne. Ok, tu es au boulot. Mais bon boulot alors. Bonjour TikTok. Aimée Marie, bonjour. Donc, je demande l'assistance de vos ancêtres. Voici mon arbre de paix. Donc je mets la paix sur vous, je mets la paix sur vous, je mets la paix sur vous. Voilà. Je vous connecte à la lumière. Je déclare qu'aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. Bonjour la reine Pélagie. Ok. Je bénis votre journée. Je bénis votre journée.
Je bénis le message que je vais partager avec vous. Que cela vous ouvre. Aujourd'hui, vous devez prenez l'arbre de paix, ok? Votre eau que vous bénissez d'habitude, là, vous prenez l'arbre de paix. Vous mettez l'eau dans un seau. Vous mettez 3 pincées de sel. Et vous prenez, vous aspergez dans la maison. Vous dites, vous chassez tout mauvais esprit qui est dans votre environnement. Vous chassez. Vous chassez. Voilà. Ok? Vous aspergez. Quand on nous faisait prier à l'église, on nous faisait oublier les choses que nos ancêtres nous ont laissées. Donc, je sais qu'en Europe, vous n'en avez pas. Je suis désolée. Ok? Merci le roi Fodo, merci pour la paix. Donc, je vous donne la paix. Ma grand-mère disait toujours, mon arbre de paix, mon jujube. Voilà, ça passe, voilà ces outils. Donc, vous prenez ça, vous priez sur cette eau, vous lisez le psaume 35, vous aspergez dans votre maison. Ok? Sur les murs. Ce qui fait que s'il y a bien souvent des larves, sur les murs, il y a des larves de mauvais esprit. Donc, tu es dans une pièce comme ça, tu ne sais pas pourquoi. Vous venez d'aménager, vous vous engueulez tout le temps. Quand vous dormez, vous vous réveillez le matin, vous êtes lourd. Parce que vous n'avez pas travaillé sur la maison. OK. Bon, ça, c'était juste des instructions en passant. Donc, on va commencer. Hier, j'ai enseigné sur la foi. Vous vous rappelez, non? Et l'enseignement qu'on a fait sur la foi... Qui se rappelle de quoi est-ce qu'on a parlé? Il n'est même pas encore pris Hébreux 11. J'avais seulement commencé avec Marc. Bonjour la reine Ginette. Mon but à travers cette série d'enseignements qui va durer environ 10 jours, ce sera de vous permettre de croire pour votre vie. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas eues. Beaucoup de choses que vous n'avez pas jusqu'à aujourd'hui. Il y a des situations dans lesquelles vous êtes. Parce que vous n'avez pas la foi. Quand Jésus parlait, il disait souvent que, est-ce que quand je vais rentrer ici, quand je vais revenir, est-ce qu'il va encore voir la foi sur la terre? Parce qu'il savait qu'à un moment, la foi serait une denrée rare. Merci pour le partage, merci. Qui a partagé, Maria, merci de partager, d'avoir partagé. Donc, si vous venez de vous connecter, mettez un like et vous partagez la vidéo. Et pendant que votre pouce s'active pour partager la vidéo, je déclare sur vous la bénédiction. De la même façon que vous voulez que votre entourage et vos connaissances échangent, pardon. Je déclare que vous-même, votre vie est bénie au nom de Jésus. Donc hier, nous avons lu Matthieu 28. Matthieu 28, où le Seigneur disait, tout pouvoir m'a été donné. Pouvoir de changer ton mariage. Pouvoir de te permettre de te marier. Pouvoir de concevoir l'enfant. Pouvoir de trouver une mère porteuse. Le pouvoir qu'on te donne, tu es sur la liste de l'attente d'adoption depuis des années. Le pouvoir qu'on te prenne. Pouvoir de lancer ton entreprise, pouvoir qu'on te donne le visa, pouvoir tout, penser ça, mais peu importe ce qui vous bloque actuellement. Hier, on a vu que cette chose qui te bloque, merci pour la rose Ginette, que Jésus a le pouvoir dessus. Bonjour, merci Aimé, Aimé et Marie. Donc, quand tu vas rester dans la journée, et vous savez, parfois on se décourage. Parfois, tu as tellement essayé, tu es tombé dans tellement de mauvaises relations. Et voilà, je viens encore te dire que tu peux te marier avec un homme qui est comme tu veux. Ah, tu vas encore soulever mes espoirs. Oui. Vous allez vous remettre à la besogne. Vous suivez. Vous allez porter toutes les situations de votre vie. La foi, c'est comme un muscle que tu travailles.
Il y a les périodes de ma vie où je travaille mes abdos, parce que quand il reste comme ça, je touche comme ça, c'est dur. Il y a les périodes où c'est comme si j'ai mis deux sacs sur mon ventre. Deux sacs de sel. La différence entre le sac de sel et le ciment que j'ai après quand j'ai fait mes abdos, c'est que j'ai décidé. Je me suis décidé à changer la chose. Quand j'ai décidé, j'ai fait quoi alors? Chaque jour, j'ai commencé à travailler sur ça. Tu peux commencer seulement par la course. Chaque matin, tu te lèves, 30 minutes de course. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille mon muscle. Après, quand tu portes la robe, même, tu ne mets même pas la gaine. Le voulant, tu n'as pas mis la gaine, mais quand on voit ton ventre dans la robe, là, on dit, chai, this girl fine. On ne sait pas que, derrière ce ventre plat, se cachent des jours et des nuits de travail physique. Des potions détox, des thés d'amaigrissement, c'est quoi là-haut? Thé amincissant, voilà. Des repas que tu n'es même pas trop, tu fais un smoothie de fruits, te voilà, tu bois, voilà ton petit déjeuner. Tu aurais pu prendre un long pain, un gros gâteau comme ça, tu manges avec les œufs, tu tapes le lait dessus. Un lait bien concentré, avec 5% de matière grasse. Non, te voilà, tu es en train de faire le concombre, tu fais bouillir. Oh. Mbolo tout puissant, Mbolo. Votre foi ne grandira pas seule. Adeline, si tu sais que tu pars composer, ce n'est pas aujourd'hui que tu dois venir. Je vous apprends à vous préparer spirituellement. Je n'ai pas composé, prie pour moi. Si tu ne tombais pas sur mon direct, ne devenez plus les gens que vous tombez seulement, je dis, oh, je me suis cogné la tête. Oh, il y a du sang qui coule. Oh, la voiture. La voiture a sorti. Tu as vu que quand j'achetais la voiture par erreur, il est parti à la boutique, il a cherché, il a localisé, il a commandé, il a fait l'application. On a regardé son point, on a vu est-ce qu'il a assez d'argent pour payer. Il a attendu que la voiture soit fabriquée au Japon ou bien n'importe où. Il a attendu qu'on mette dans le bateau. Ça arrive, on l'a dédouané. Après, on peut, on lui donne. Vous racontez au moins 3 mois. Donc quand tu le vois dans sa nouvelle voiture là, il a dit, I'm rocking. Ah, il est parti au magasin acheter ça hier. Non! Ce sont les paresseux spirituels qui se retrouvent toujours cabossés. On vous fouette. Tu peux pas composer, tu veux qu'il prie pour toi. Vous n'allez plus mettre la honte sur Jésus. Je vous dis moi, hoha. Vous n'allez plus. Parce que chaque chose dans ta vie, c'est comme, surtout ceux qui ont été en Allemagne. L'Allemagne, je ne sais pas, te développe cette capacité à prévoir les choses. Je vois quand les gens qui vous demandent de prier pour là, vous ne comprenez pas bien. Écoutez bien mes vidéos, vous allez voir que je vous apprends à prier, je vous apprends pas à demander les prières. Tu es au Gabon, moi je suis au Gabon, c'est compliqué quoi? Le Gabon n'est pas compliqué. Quand vous enseignez, vous ne voulez pas apprendre. Mbolo, Mbolo Samba, ok, Mbolo. Donc hier, on a vu que tout pouvoir avait été donné à Jésus.
Et Jésus nous a donné ce pouvoir. Maintenant, quand il donne le pouvoir, il dit de faire quoi? Aller. Le pouvoir que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour rester à la maison et ne rien faire. Reine Marie, je vous en prie, je suis à Saint-Germain. Quand on commence à se tutoyer là comme ça, là, c'est un peu comme si qu'on ne mette pas le manque de respect, ok? Vous avez compris, non? Diana, je vais très bien. Je suis à Saint-Germain. Vous arrivez à la station Pétro Gabon. La station là, il y a une poubelle à côté. La station, en face de cette poubelle, il y a une rue. Donc, c'est le deuxième duplex jaune qui est dans cette rue. Peu importe, donc tu es dans le trou. Tu vis chez ta soeur. Tu n'as même pas l'argent pour manger aujourd'hui. Dieu a permis que tu restes, tu tombes sur ma vidéo. Vous pouvez reprendre votre vie en main. Jusqu'à tu restes comme ça là. Tu dis waouh. Si, et si tu connais comment attirer quelque chose, tu peux maintenir la chose. C'est pour ça que tu es dans le mariage. On te tape pas si on te tape pas là. Ta belle famille te bloque. En fait, ton mari te déteste le premier. Je ne sais pas. L'homme qui courait derrière toi là. Oui, la reine Marie, je te donne le contact. Ok? Prenez de quoi noter, s'il vous plaît. Tu t'es mariée, tu étais simpleton, bête, comme ça là. 2 ans plus tard, ton mari te met à la porte. 2 ans plus tard, donc rien ne va dans ta vie. Tu n'as pas su comment, donc tu as attiré le mariage là au hasard. Tu n'as pas su maintenir. Un homme t'a aimé, il t'a donné 5 millions, il a ouvert un truc pour toi, un magasin. Tu ne connais plus gérer le magasin, ça, tu es tombé. Mais le loyer, tu n'arrives pas à payer. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour le loyer le mois prochain. Sola Mangui, tu as bien dit que je ne vais pas vous donner le beurre et je vous donne encore l'argent du beurre. Ce que je vous enseigne, je vis parce que je prospère parce que je vous enseigne. Quand vous parle de la dîme. Aujourd'hui, là, si quelqu'un ne paye pas encore sa dîme, toi-même là, c'est toi qui connais où tu pars. C'est pour ça que ton argent est stable. Ah, j'ai 500 francs, je vais faire comment? Et une fille, toujours, m'envoie 150 francs. J'ai dit que je ne savais même pas qu'Orange Money faisait le transfert de 150. Elle m'envoie 150. Après, l'esprit me dit, mais peut-être qu'elle a eu 1500 et t'a envoyé 150. Je lui ai dit, ok. Vous simplifiez trop l'argent qu'il y a dans votre main. C'est pour ça qu'on n'avait même plus après. Donc le numéro au Gabon, 07 41 80 080. Donc appelez après ce direct parce que tous les téléphones sont connectés ici. Bonjour la reine Rosine, bonjour la reine William, William, Marie, Emma, bonjour. 07 41 80 080. Non, le numéro, ça c'est pour Libreville. Le deuxième numéro de Libreville, c'est le 0747. 0747. Dans le numéro de Paris, pour commander les produits ou pour prendre rendez-vous pour une consultation, ou bien il y a plein de produits que je vends. L'huile de prospérité, les kits de désenvoûtement, les kits pour enlever la malchance sur soi, kit fondation, on fait les lavages à distance. Tu envoies ta photo, on te lave, on fait un travail pour enlever les mauvais esprits sur toi, pour enlever la malchance.
C'est aussi une situation qui est bloquée. Merci, Witty Wife. Merci pour le compliment. Donc, Paris, 0753. 0753 95 56 69. 95 56 69. Côte d'Ivoire, plus 225. 08 75 39 4. Et pour les gens qui sont au Cameroun, vous voulez faire des transferts Orange Money. Le premier numéro est bloqué et est déjà plein. Donc le deuxième numéro Orange Money, c'est le 698. Si vous appelez, ça passe aussi. 698-367-221. 698-367-221. Pour Yaoundé, Ebolo va tout ça. 655-310750. L'autre WhatsApp du Cameroun. Donc vous êtes dans n'importe quel pays, vous m'écoutez, contactez ces numéros-ci du Cameroun, ils vont vous répondre. 680-711-0701. Vous contactez un de ces numéros, vous demandez une consultation, vous faites une consultation à distance. On veut la reine Sandrine. Donc, je vais commencer. Je vais faire le dernier appel de l'enseignement d'hier. On a parlé, j'ai lu la parabole du figuier. OK? Là où le Seigneur a parlé à l'arbre. Il a dit qu'on ne mange plus jamais de toi. Parce que Dieu s'attend, Jésus s'attendait à ce que l'arbre porte des fruits, peu importe la saison. Donc, vous êtes censé porter des fruits, peu importe la saison. Et là, on a vu, tu appelles les numéros, on va te dire le prix de la consultation. Et là, on a vu, on a vu en fait que quand il a parlé, quand il a maudit l'arbre, le lendemain quand il passe, Pierre voit, il dit, ce que Pierre avait fait un gros l'arbre là, regardez. Donc il dit, le figuier a séché jusqu'aux racines. Et là le Seigneur lui dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Donc, la foi en Dieu va influencer tes actes. Ça va influencer tes paroles. Ça va influencer ce que tu vas voir de ton futur. Après, il a dit que si tu as la foi, tu dis à cette montagne, ôte-toi. Jette-toi dans la mer et tu ne doutes pas dans ton cœur. Mais tu crois que ce que tu viens de dire va se passer. Cette chose va effectivement se passer. Et dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc, ça veut dire que le mariage que je cherche depuis là, tu n'as jamais osé formuler une prière et dire, Seigneur, je reçois mon mariage. Et j'ai mentionné hier que vous avez remarqué que dans ce passage, Jésus a parlé à la montagne. Il a dit que quitte d'ici, tu pars là-bas. Beaucoup d'entre vous, vos situations n'avancent pas parce que vous avez des soucis, mais vous ne parlez pas à la situation et vous ne commandez pas à la situation de partir. Amen, la reine Sandrine. Toute situation que tu acceptes va toujours demeurer dans ta vie. Toute situation, celle-là, belle famille te dérange. Tu n'as jamais fait un rituel comme ça, tu as parlé. Que toute personne à ma belle famille qui m'embête,
Maman Jackie, je déclare que tu me laisses tranquille, moi et mon mari. Francine Gemjo. Toli Jamla, hey. On ne parle pas le patron dans mon direct. Qui t'a le patron, c'est quoi avec vous? Marie, tu ne sais pas que tu dois parler à ta dette. Tu ne connais pas. Peut-être que tu crois que tes problèmes sont des problèmes spéciaux. Tu es la seule personne endettée sur toute la terre. Rien n'est nouveau sous le soleil. Toute situation que tu vis, il y a quelqu'un qui a vécu ça. Certains d'entre vous devaient rester en ça, appeler les personnes qui vous doivent de l'argent. Jean Calvin, tu me donnes mon argent. Tu décroches mes appels. Tu n'as pas de paix tant que tu ne me remets pas mon argent au nom de Jésus. Je parle à toute situation de pauvreté dans ma vie. Je te commande de bouger au nom de Jésus. Et là, tu vas voir. Jésus, quand un malade venait devant lui, il ne regardait pas le malade. En anglais, on dit rebuke, donc il chassait. Est-ce que vous savez que la société va vous faire parler de vos problèmes? Madame, qu'est-ce que vous avez comme problème? Tu parles, tu dis, oh, oh, oh. Tu vas parler du problème. Remarquons ici là que Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, écrivez maintenant que je dis à cette montagne, faites-moi ça en commentaire. Merci Kadiak. J'aime ton nom, ça me rappelle la voiture que j'aime, la Cadillac. Commentez, je dis à cette montagne. C'est ton problème, hein? C'est ta vie, c'est ton problème. Mais c'est toi qui parles au problème. Oui, TikTok, vous êtes très réactif. Noah, tu as rêvé que j'étais en train de faire ton lavage en criant fort. Je suppose que je ne t'ai jamais lavé. Et je suppose que tu ne vas pas prendre de lavage, n'est-ce pas? Vous aimez ça? J'ai rêvé que tu me lavais. Tu ne payes pas le lavage. J'ai rêvé que tu priais pour moi. Tu ne payes pas. J'ai rêvé qu'on parlait. Tu ne payes pas la consultation. Betty, voilà, je dis à cette montagne. Je dis à cette montagne. Ça peut être ton utérus qui ne veut pas porter l'enfant depuis. Parle à ce ventre. Ne parle pas de ton utérus. Ah, tu sais, je n'arrive pas à concevoir depuis. Ah, oh. Parce que tu veux que quelqu'un ait pitié de toi. Depuis que tu as parlé aux gens-là, qui a eu pitié de toi? Qui a porté son enfant à venir te donner? Hein? Qui a porté 5 millions, il est venu te donner. Que oh, tu as pleuré l'argent, prends. Lui, la reine Cathy. Apprenez à faire face au problème. Tu fuyais le problème depuis, non? Tu fuis. Arrête aujourd'hui. Tourne-toi. Commence à marcher vers le problème là. Contactez les banques qui vous contactent le jour où vous fuyez là. Appelez-les aujourd'hui. Oui, bonjour madame. Oui, j'appelle. Oui, je sais que vous m'avez contacté. Oui, ça fait 6 mois que vous essayez de me joindre. Oui, je m'excuse. Je suis là maintenant. D'accord. Mm-hmm. Oui, je veux qu'on fasse un arrangement. Super. D'accord. Écoutez. C'est le bailleur, tu lui dois, non? Appelle le bailleur.
Eugénie, continue d'expliquer tes problèmes aux gens, non? Et tu dis que jusqu'à présent, tu tournes en rond, mais. Et la reine Nathalie, la reine Nina, bonjour. Devenez sage, oh. Wow. Oh. Tu parles à la situation. Mari infidèle, dépression. Ma chérie. Pour ta dépression, va devant le miroir. Parle-toi. S'il le faut, écris les affirmations, tu colles partout dans ta pièce. Chakarababoseka. Au nom de Jésus, je vous vois coller des affirmations sur vos murs. Vous vous levez, vous parlez. Je déclare que vous n'aurez pas de difficulté à vous parler à vous-même. Toute situation qui vous avait attachée, qui vous avait menottée, je déclare que vous recevez la grâce pour parler à cette situation au nom de Jésus. Toute personne qui vous a prêté de l'argent, à qui vous devez énormément d'argent que vous fuyez depuis, les lettres arrivent, vous fuyez seulement. C'est en train de gâter votre crédit score. Je déclare que vous recevez la force pour les appeler aujourd'hui. Bonjour. Il y a une façon que tu peux appeler ton banquier jusqu'à lui-même quand il te parle, tes frères, il a même encore peur. Oui, bonjour. Est-ce que je peux parler? Oui, madame, bonjour. Est-ce que je peux parler à madame Jacqueline Laporte? Oui. D'accord, je vais attendre. Oui. Bonjour, madame Jacqueline. Oui. Oui, vous avez essayé de me joindre plusieurs fois. Oh, mais madame Jocelyne, mais voilà, nous avons essayé de vous joindre enfin. Voilà, vous nous devez beaucoup d'argent. Oui, j'en suis consciente, oui. Vraiment, je m'excuse, ok? Je m'excuse. Mais je vous dis, j'ai l'intention et je vais finir de payer cette dette. Tu es en train de parler à ta montagne. Donc, j'appelle pour que nous puissions faire un arrangement. Parce que le stress que leur lettre rouge, quand ça vient à la poste là, le stress que ça te donne, même quand tu prends, tu jettes, même si tu n'ouvres pas. Ça te stresse. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous, vous avez un esprit de dette sur vous. Quand tu finis de payer une dette, deux se lèvent. Et vous allez voir que souvent, c'est même pas l'esprit de dette, d'endettement, là, c'est un joug terrible. Tu payes, tu payes, tu payes. Dès que tu fais le dernier paiement de 20 euros, boum, semaine prochaine. Oui, madame, en 2015, vous avez pris un téléphone ici, là. Oui, un téléphone Virgin. Oui, madame. Maintenant, vous nous devez 680 euros. Tu dis que. Ah. Comme par hasard, c'est maintenant que vous vous rappelez de moi. Bonjour, merci pour le partage. Ceux qui ont partagé ma vidéo, je vous remercie. Ceux qui n'ont pas encore partagé, partagez ma vidéo. Ce que je vous enseigne là, ça va changer votre vie. Ça va vous guérir. Ça va vous guérir. Tu as même peur des lettres à la poste. Quand une lettre arrive, tu te demandes où c'est encore quoi aujourd'hui? Lettre sur lettre. Parfois, c'est quand tu entames le jeûne, tu fais tes déclarations. Certains d'entre vous, vous allez voir les lettres là, dans la boîte à lettres aujourd'hui. L'ennemi connaît jouer sur votre mental. Tant que tu ne fais pas tout pour le surmonter, tu parles. Même s'il faut que tu prends la lettre là, tu déposes sur la table. Tu prends l'eau bénite, tu prends ton arbre de paix. Je te parle maintenant à toi d'être esprit d'endettement. Je te chasse de ma maison au nom de Jésus. Je te chasse de ma maison au nom de Jésus. Fini, tu prends le téléphone, tu les appelles. Une reconnaissance des dettes te poussera à aller bosser pour rembourser. Tu vas voir que chaque semaine, tu vas te retrouver en train de dire, au lieu de payer 20 euros par mois,
Voilà, je bosse un peu, 20 euros cette semaine, j'envoie. 15 euros la semaine prochaine, 25 euros la semaine d'après. Tu vas voir que la dette de 15 000 euros là, tu rembourses tellement vite après que tu dis, mais hey, je fuyais même ça, pourquoi? Ça avait gâté mon crédit, mon crédit score. Je ne voulais plus prendre de crédit depuis, à cause de la petite dette-ci. Donc Jésus dit que tu dois parler à la montagne. Donc nous allons avancer dans notre étude de la parole. Pardon. Hébreux 11, verset 6. Marie riche, ne te dérange pas. Ton problème, c'est que tu déclares, après tu te tournes, tu dis encore que ton argent est bloqué. Tu dis que ton argent est débloqué, après tu dis encore que c'est bloqué. Je vois ça dans ta vibration, Marie. Bonjour la reine Eliane. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci pour le partage. Ta vibration est très mixée, la reine Marie. Très. Tu dis, ouais, je paye mes dettes, tu dois, ouais. Après, tu sors de là, tu commences à dire, ah. Mon argent fuit toujours, hein. Mon argent fuit. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, que tu crois d'abord que Dieu existe. Bonjour, la reine Laurent Mouluga. Mouluga. Donc, pour t'approcher de Dieu, tu dois d'abord avoir la foi. Que, bon, Jésus a dit que je suis pas là, la montagne, ça a bougé. Je ne vois pas, quand j'ai parlé, c'est toujours là. Mais comme Jésus a dit dans la Bible qu'il faut avoir la foi, et que c'est la foi qui lui plaît, la foi, en fait, c'est genre, j'ai moi déjà dit, ça va se faire. Si après on vient me demander, oh, par rapport à ça, on fait comment, je vous dis que ça va se faire. Madame, on a payé la facture d'ici 14h. Je vous dis que l'argent arrive. Tous tes comptes bancaires sont vides. Personne ne t'a promis l'argent. Hein. Quelqu'un ne t'a pas appelé pour dire que je viens te donner l'argent. Blanche-Neige. Hein. Toutes situations qui étaient bloquées dans ma vie sont à présent débloquées au nom de Jésus. Tu n'attends personne. Le loyer d'être payé à 14h. Te voilà. On va aller lire l'histoire d'Élisée. Élisée et Élie. Deux rois 2, verset 1 à 25. Vous allez voir la foi. Nous allons aller dans Deux rois, chapitre 2.
Donc, vous voyez ici là que on est dans deux rois. Au chapitre 2. Bonjour, bonjour. De rien, Joël. Bonjour, la reine Sandrine. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Partagez la vidéo pour que beaucoup plus de personnes voient. Et puis, vous me mettez les likes aussi. Mettez les likes. Donc, Élie a eu sous son service Élisée pendant des années. Et on sait tous comment il a appelé. Il marchait, il a vu, il a lancé son habit sur lui. Bam! Il a dit, suis-moi. Le lendemain, tous les bœufs que Élisée vendait, qu'il élevait en tout cas, il a sacrifié cela. Donc, il a fait le sacrifice. Il y en a parmi vous que quand tu trouves ta personne, brûle tout ce que tu avais avant, va donner aux gens. Parce qu'il savait que voilà mon futur. Si je laisse encore deux bœufs, un jour ça peut aller un genre là que je rentre encore là-bas prendre les bœufs là pour vendre. Donc il a servi sous Élie plusieurs années. Maintenant le temps pour que Élie soit enlevé est en train d'arriver. Je veux que vous voyez la scène. Donc 2 Rois chapitre 2, on est au verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il dit, je ne pars pas. Alors, go. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et disent, sais-tu que l'Éternel enlève ton maître aujourd'hui? Est-ce que tu sais que Élie part aujourd'hui? Quand tu commences à déclarer, c'est le jour où tu commences à déclarer là qu'on va t'envoyer quand même 4 dettes que tu avais avant. C'est le jour où tu déclares sur ton mari que vous allez avoir les problèmes plus que jamais. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel, donc ils disent, Élisée répondit, je le sais aussi, que moi-même je sais. Taisez-vous. Vos haters qui vont venir pour vouloir parler là, pour vous décourager. Qu'est-ce que tu sais qu'une femme ne peut pas arriver cela en 3 ans, elle a la nationalité? Tu as déjà commencé à déclarer que j'ai mon passeport canadien, j'ai mon passeport belge, j'ai mon passeport français. Est-ce que tu sais qu'on ne peut pas avoir ça en 5 ans? Taisez-vous, je sais. La foi fait taire les gens. La foi est insolente. On appelle ça insolence. Certaines personnes disent que c'est l'arrogance, l'insolence. Moi, j'appelle ça la foi. I call it faith. On dit, est-ce que tu sais que je sais? Taisez-vous. Et on ne va pas lui dire ça une seule fois dans la journée. Hein? Lisons. On est en train de lire 2 Rois chapitre 2. Verset 4 maintenant. Élie lui dit, il dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Même la personne qui a votre bénédiction va souvent vous décourager. Je fais ça tout le temps avec mes enfants spirituels. Moi là, je suis Dieu. Ouais, comme je gronde comme ça. Tu viens, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que je suis censé servir avec toi. J'ai dit, hein, tu vas être testé. Je vais m'assurer que tu connais la voix de Dieu que tu dis que tu connais là. Tu arrives un jour, je te chauffe. Ah, mais la mère, je te dis que Dieu m'a dit que c'est toi. Ne me gronde plus que c'est Dieu. J'ai les parents qui avaient ça. C'est Élie qui est censé passer le pouvoir à Élisée le jour-là. Qui dit à Élisée que reste ici, je te prie, que l'Éternel m'envoie à Jéricho. Lui-même, il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point que je suis là.
Je suis. Ouais, que. Il y a une dame là qui a commencé à payer sa dîme depuis 2 mois. Mof bidé. Elle voit le feu. Toutes ses cartes. Hier, elle m'écrit, me dit que toutes mes cartes bancaires sont bloquées. Elle riait seulement que je ne sais pas comment faire avec les enfants. Elle est en France. Il dit, ma chérie, en 2 mois que tu as commencé à payer ta dîme, tu as vu la main de Dieu sur tes enfants. L'année passée, son fils a composé le brevet. Il a remis la feuille blanche. Jusqu'à le centre d'examen, elle a appelé, elle a demandé qu'on retrouve la feuille de son fils. Elle ne croyait pas que son fils a échoué. Les attaques qu'il y avait sur la destinée de l'enfant là. Il dit qu'il a porté la feuille blanche, il l'a remis. Donc quand il a échoué, ce n'est pas parce qu'on avait mal corrigé sa feuille. En 2 mois, les sacrifices qu'on a fait sur l'enfant. L'autre jour, l'enfant a eu l'admission dans une grande école de football en Angleterre. Le nombre de sacrifices que la femme a fait sur l'enfant en 2 mois. Et quand elle a eu l'admission à l'école, l'école a 35 000 pounds l'année. Les gens là, lui ont réduit 10 000 pounds sur la pension qu'elle devait payer. C'est le premier jour de jeûne qu'on avait fait le 28 juin 2022. Si. Le jeûne à sec qu'on avait fait. Elle dit que maman, je suis dépassée. On vient de me réduire 10 000 pounds sur la facture de l'enfant. Il dit que ma chérie, quand tu payes ta dîme là, tu crois que Dieu ne voit pas? Tu crois que Dieu ne voit pas? Ça c'était hier, c'est là 2 semaines, non, le 28 juin. Voilà juillet, on est déjà le 20 juillet. Carte bancaire, tout est bloqué. Tout. Hier quand elle écrit, je dis que ma chérie, vos témoignages, c'est ça que tu vas souvent accrocher sur ton mur. Quand tu es secoué que ça là, tu t'assois dans ta chambre, tu regardes. 2019, je me rappelle un jour en 2019, quand je suis arrivé au Cameroun. Bonjour, celle 425. Merci pour la rose. Je suis arrivé au Cameroun. J'ai battu au Cameroun pour 3 mois. J'arrive au Cameroun. Le Seigneur me dit, tu dois rester ici. Vous me connaissez en tant que... Je recontacte un de mes anciens dragueurs là. On commence à pas parler. L'esprit me réveille un matin, il dit que Jocelyne, les choses qu'il avait fait dans ta vie, ce ne sera pas avec cet homme. Merci la reine Nathalie. Arrête de parler avec l'homme là. J'ai dit que mais Seigneur, on parle sur mon téléphone. Non, il n'est pas ici au pays. J'ai dit arrête. Le jour là, même l'argent pour préparer. Ma ménagère est venue le jour là. Il n'y a même pas l'argent pour acheter la nourriture pour préparer. Tous mes comptes étaient bloqués. Il n'avait pas 5 francs sur moi. Il n'avait que mon passeport. Tous les agents que là m'avaient envoyé, il y avait un problème sur ça. Eux-mêmes là-bas qui m'envoyaient l'argent, ils étaient bloqués. Il m'assoit dans mon bureau. Je prends le téléphone. Je dis à la personne que ne me contacte plus jamais. Quand je finis de barrer la personne, je m'assois. Je dis que je veux aussi voir comment tu vas me faire. Tu vas me donner l'argent. Qu'il te connaît Dieu. Je te connais, connais ta voix. Quand tu parles, je te connais. I don't know you. C'est pas aujourd'hui qu'on marche ensemble. Comme j'ai arrêté l'autre-ci, je vais voir. J'ai fait ça à 11h. 12h. J'ai mangé le reste de nourriture, bien sûr. 13h. 14h, j'ai une de mes filles en France qui m'appelle. Elle m'appelle. Elle me dit, maman, je suis partie t'envoyer. Elle m'avait envoyé 94 euros. Je me rappelle très bien de la somme parce que... aïe, aïe, aïe. Dès qu'elle m'a dit, on s'est envoyé, je suis parti à Western Union. Quand il touchait l'argent à l'échelle là comme ça, j'ai dit, you're not a man, oh. You're not a man, oh. You're the God of everything, no man like you. No one like you, Jesus. No one like you, Father. You're the God of everything. No man like you. Je me rappelle encore de l'état d'adoration dans lequel j'étais le jour-là. Le Seigneur m'a dit, tu dois rester en Afrique. Le temps pour toi de repartir en Europe, ce n'est pas maintenant.
Je refais mon alliance avec toi aujourd'hui. Tu ne pas pu. Écoutez, quand vous voyez en Afrique, hein, c'est en Afrique que Dieu m'a fait prospérer. Et qu'il est encore en train de me faire prospérer. J'ai eu trop des étapes déterminantes avec Dieu. C'est le jour-là que tout projet de Mbeng est sorti de ma tête. Que c'est en 2019. Et ce n'est qu'en 2021 que mon ministère a commencé à... Les gens me contactent de partout dans le monde. Et ça, c'est une prophétie que le Seigneur m'avait donnée. Que reste là où je te demande d'être. Après, on commence à dire, oh, on l'a chassé de Mbeng. On l'a rapatrié. On l'a. Quand vous allez décider quelque chose parce que Dieu vous a mis à cœur, votre tête va venir d'abord. Les gens de votre entourage vont venir. Ne cherchez pas à vous justifier. S'ils viennent vous adresser directement, adressez-les à l'instant. Bonjour, la reine Kwame depuis Lomé. Et ceux qui me regardent, vous me regardez. Vos ennemis sont sur ma page. Mes ennemis sont sur ma page. Mais ils vont vous regarder prospérer. Il y en a parmi vous, c'est quand vous avez décidé de payer votre dîme fidèlement. Le genre que tu ne rates pas un mois ou une... Ouais. Décembre 2020, j'ai eu un coup tellement dur. Donc pendant, j'ai fait une dépression. Janvier, février, de décembre, je ne payais pas ma dîme. Dépression. Début janvier, je m'accorde avec, j'ai dit que Seigneur, je vais recommencer à payer ma dîme. 2000 euros, je paye. 1000 francs, je paye. 5000 euros, je paye. De janvier 2021 à avril, j'ai encore ça, j'ai une application où je garde mes finances, mes comptes. Là. Bonjour musique, bonjour Nathalie encore. Janvier, rentrée d'argent, 220 000 peut-être. Février, 350 000 peut-être. Mars, 800. Avril, 1 600 000. Mai, 2 millions quelque chose. Dîme, je sentais seulement la dîme comme ça là. Dès que c'est... Bénéfice aujourd'hui combien? 10 000. Je sais, 1 000 francs. Transfert Orange Money. Vous avez une longue marche à faire avec Dieu. Et Dieu a besoin de votre foi. Vous allez remplir des stades pour faire certaines choses. Vous allez faire des événements. Les gens vont venir des quatre coins de la terre. Pour vous regarder. Pour que vous les soignez. Donc là où vous êtes là, prenez votre destinée au sérieux. Jusqu'à quand tu te regardes, tu dis, mais la fille se prend, hein, tu te crois, hein, ma chérie. Oui, 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 je me crois. Je me crois. Ah. Bonjour, Rosina. Élisée servait Élie. Et Élie faisait les miracles tous les jours. Quand le moment de partir pour Élie arrive, Élie dit que tu demandes quoi à Dieu? Tu veux que Dieu te donne quoi? Élisée a le culot, le toupet de dire qu'il veut la double portion. Donc si l'autre avait un chiffre d'affaires de 200 millions, il dit, moi, il va avoir 400 millions. Il dit, je veux la double portion. Gars, quand je prie pour mes enfants spirituels, quand j'entends leur sujet de prière, je dis que yes, ça c'est mon enfant ça. This is my child, yes. Je mets encore mes poumons sur ça. Que Seigneur bénisse mon enfant-ci. Bénis-le. Et Élie lui a dit que si tu me vois quand je chante de partir, tu vas avoir ce que tu as demandé. C'est pour ça qu'il savait que le jour-là, c'est son jour. Eugénie Baume, si tu vas envoyer la dîme, pour ceux aussi qui vont payer les produits, vous pouvez faire Western Union ou RIA. Je vais vous donner le nom auquel vous pouvez envoyer.
Wesson Yono Ria vous envoyait dans la ville du Cameroun. Donc, je suis à Libreville, je suis entre Libreville, Abidjan et Douala. Donc, ne cherchez pas à m'avoir forcément quelque part. Je vous donne les numéros. Il y a des moments où vous m'appelez, que je suis, vous me contactez, que je suis à Abidjan. Il y a des moments où vous me contactez, que je suis à Libreville. Actuellement, je suis à Libreville. Il y a des moments où je suis à Douala. Il y a des moments où je suis à Yaoundé. Donc, je vais vous donner les numéros. Vous faites le Western Union au numéro, au nom de AB Solo, A-B-E-S-S-O-L-O, AB Solo. Le prénom c'est Charles, A-V-S, Bronson, B-R-O-N-S-O-N, Bronson. Donc vous envoyez dans la ville de Douala. Et le numéro de téléphone pour Orange Money, 698, même de l'étranger, 00237, 698-367-221. 698-367-221. Le nom, c'est Jocelyne. Le numéro MTN, 680-71-0701. Donc 00237-680-71-0701. Dans le numéro du Gabon, 0741-80-080. 0741-80-080. Le numéro de Airtel Money pour faire les offrandes au Gabon. 0747-3979. 0747-3979. Et le nom, c'est Jean d'Éric, sur ce numéro. Donc, le dernier numéro maintenant, c'est le numéro de... Je donne d'abord Yaoundé. Yaoundé, c'est le 655-310750. 655-310750. Peu importe votre pays, prenez un de ces numéros aussi. Ils vont vous donner les numéros des autres personnes pour votre vie. Donc... Yaoundé 655-310750. Donc, Paris 0753-95-56-69. 0753-95-56-69. Nantes, c'est le 06-20-00-63-59. 06-20-00-63-59. Pas de soucis. Bon, je vais donner tous les contacts, ok? Bon, on va lire donc. Pour Élie et Élisée. Je suis au verset 6. 2 Rois 2, verset 6. Élie lui dit à nouveau, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Où est-ce qu'il veut que je dise que je pars à Jéricho? Je pars au Jourdain. Je pars à ceci. Il lui dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il continue d'avancer. Écoutez, tout chacun de vous pensez que quand Dieu peut t'envoyer, t'appeler, que va, je t'ai envoyé au Gabon. Tu arrives au Gabon, les premières années, tu as les problèmes jusqu'à. Eh, c'est comment? Tous les deux semaines, tu peux fermer les choses parties. Mais le Gabon dit, Seigneur, tu es sûr que tu m'as appelé ici? Le Gabon en train de chasser, comme Élie en train de chasser Élisée. Il dit que tu es vivant, Dieu est vivant, je suis là. Que Katepilago move me. Ayez cette habitude. Verset 7, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. »
Elie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevée d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, ça ne t'arrivera pas. Continuons. 2 Rois 2, verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie lui avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Merci beaucoup, Kiki Vêtements. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient, ça et là. Et Élisée passa. Imagine, tu marches chaque jour avec ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Il fait les choses devant toi. Il fait les choses devant toi. Tu regardes, tu regardes. La personne te donne ton manteau. Je rappelle que Élisée n'avait encore jamais fait ça avant. Hein. Il prend le manteau, il frappe sur l'eau, bam, il ouvre la bouche. Écoutez, hein, vous devez appeler Dieu. Où est le Dieu d'Élie? Ta bouche doit parler sur ta situation. Supposons qu'il revenait en arrière, il se mettait devant l'eau, il attendait que l'eau s'ouvre. J'ai fait une vidéo, j'ai mis sur TikTok, je crois que c'est hier. Merci pour les likes. Partagez aussi ma vidéo, s'il vous plaît. Merci pour les partages sur TikTok. Du bocage, bonjour. Valérie, bonjour. Kitty, bonjour. Donc, vous devez prendre l'habitude que ce n'est même plus mon Dieu que j'appelle. C'est le Dieu qui faisait les miracles dans la vie de la reine Jocelyne là. Je t'appelle, viens ici là, tu parles. Et je vous ai toujours dit, j'ai mis une vidéo sur TikTok, je vous ai dit que quand vous priez, vous attendez toujours. La prière s'accompagne d'action. S'il ne prenait pas le vêtement, il lançait sur l'eau. L'eau n'allait pas s'ouvrir. Vous attendez toujours que Dieu vienne faire les choses pour vous. Je vous dis que la spiritualité, ce sont les actions. Voilà, j'ai pris l'eau, j'ai parlé, j'ai versé. La semaine passée, on a eu combien de témoignages de femmes qui ont versé l'eau dans la maison. L'autre dit que actuellement, elle vient d'aménager dans son tout là, les HLM là. Elle vient d'aménager en France. J'ai dit que ma voix te fait quoi? Musique originale. Vous devez avoir le courage. Vous avez suivi, non? On a l'école de spiritualité qui va commencer en août, là, le 1er août. Donc, ceux qui veulent approfondir leur spiritualité, il y a toujours une action. Donc la femme a pris l'eau, elle a prié dessus, le psaume 35. Elle a parlé. Elle a pris sa bouteille d'eau. Elle a parlé. Elle a versé au centre de sa maison. Ah! Elle dit qu'elle se couche sur son matelas, elle dort. Elle voit un rêve, elle a dans le rêve, elle voit quelqu'un qui tire un matelas en bas de son matelas. Elle voit des gens qui sont sortis par les fenêtres, ils fuient. Elle dit, yeah, yeah. Donc, elle était dans la maison, elle savait les gens. Laissez. Vous n'avez pas encore vu, hein. Supposons qu'elle priait, elle disait, oh, au nom de Jésus, Chandalaba, oh, Chandalaba. Eh, oh, j'ai dit, prenez l'eau de vous, versez dans la maison. Elle ne verse pas. Elle dit, ah, pardon. J'ai à prier, non.
Dieu va déjà faire, non? Pourquoi tu dois encore verser l'eau à la maison? Hein? La prière s'accompagne des actes. Dieu peut te dire, va dehors, prends la terre là-bas au sol, là où les gens passent. Tu viens, tu pries sur ça, tu verses au centre de ta maison. Prie pendant 50 ans, tant que tu ne prends pas la terre là, tu verses. Il y a quelque chose de particulier que ça ne va pas retirer. Pour l'école de spiritualité, vous allez écrire sur le WhatsApp, si écrivez sur le WhatsApp de la jeune fille ici. Vous allez lui envoyer l'école de spiritualité n'est pas, j'ai bien dit le montant, je n'ai pas fixé. Ils m'ont donné comme instruction que je ne vais pas déterminer le montant. Et il y a certains d'entre vous qui vont même venir enseigner dans cette école-là. Donc si je parle d'école de spiritualité, ça vous parle, sachez que je vous appelle à venir enseigner dans cette école. Vous, ça se fera à distance, tout se fera à distance. Ceux qui sont au Gabon, vous pouvez venir, souvent quand on a des séances, vous pourrez venir à Saint-Germain pour les enseignements. Donc, vous allez écrire à ce numéro, vous allez lui dire que c'est pour l'école de spiritualité. C'est sur le WhatsApp camerounais. Vous lui dites que voilà, vous devez lui dire pourquoi vous voulez faire cette école. Vous écrivez une sorte de lettre de motivation. Parce que je ne prendrai pas tout le monde dans l'école de spiritualité là. Genre, qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Et puis, vous allez envoyer un paiement que l'esprit vous aura mis à cœur. Vous entendez? Ce que l'esprit vous aura mis à cœur, c'est ça que vous allez envoyer comme paiement. Ne partez pas me faire les paiements de 2 euros. Hein. Je suis désolé, je ne vais pas prendre ça. Absolument pas. Donc l'école de spiritualité va durer 6 semaines. Première vague. Donc normalement, par la grâce de Dieu, vers octobre, on va encore lancer une autre vague. Le numéro, c'est le 00237 655 310750. 655 310750. 655 31 07 50. Vous devez arriver à un niveau de votre spiritualité où on n'est plus en train de vous supplier. Si elle doit te supplier pour que tu te connectes le matin, gars, vous laissez. Parce que quand tes problèmes vont venir te gifler, oh, tu vas confirmer le code. Donc, si tu n'as pas d'ailleurs développé la capacité à être fort, quand on te chasse n'importe comment, le lendemain matin, tu es là, 6 heures devant la porte. On te chasse, tu es là. On te chasse, tu es là. Tu as commencé le business même 50 fois. Tu es tout. Donc, le mois prochain, tu vas encore commencer l'autre. Tu vas ouvrir encore notre local. Tu n'abandonnes pas. Dieu m'a dit que je serai milliardaire. Je suis que là. Donc, on a lu 2 Rois chapitre 2. On a lu le verset 2 jusqu'au verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, ça c'est les gens qui ont découragé, qui le décourageaient tout à l'heure. L'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie reposait sur Élisée. Et ils allaient à sa rencontre et se prosternaient. Les mêmes personnes qui voulaient vous décourager hier, demain ce seront ces personnes qui vont vouloir, qui vont venir s'agenouiller devant vous. Et il lui dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté dans quelques montagnes. Et là il dit non. Bon, les gens là voulaient encore mettre le doute dans lui. Jean, Élie n'est pas parti. Peut-être qu'il est encore là. Il dit non. Non. Élisée avait beaucoup de foi. Il savait que là où il est là, le ministère d'Élie est maintenant sur lui. Parce que c'est maintenant Élisée qui prend la relève du ministère. Je déclare que toute peur qui a volé votre foi, qui a fait que vous abandonniez votre double portion, qui a fait que vous abandonniez votre mariage, qui a fait que vous abandonniez même votre business que vous aviez commencé. Je déclare que cet esprit de découragement vous quitte à l'instant au nom de Jésus. Tout caïman qu'on a envoyé,
Tout crocodile qui est là pour manger vos finances, je déclare que vos finances sont restaurées au nom de Jésus. Donc vous allez prendre de l'eau, ceux qui ont l'arbre de paix dans leur cou. Cherchez ça dans votre quartier. Cherchez l'arbre de paix. Ok? J'ai donné comme instruction tout à l'heure, vous allez prendre de l'eau, vous mettez dans un seau. Vous mettez 3 pincées de sel dedans. Vous lisez le psaume 35. Vous plongez, vous aspergez, comme on faisait à l'église de la Norme, comme ça. Ok? Il y en a parmi vous, vous devez acheter le chapeau ndop. On va le chapeau ndop. Ou alors le ndop, c'est la Norme. C'est un chapeau très spirituel, vous devez l'acheter. Parce qu'il y a quelqu'un parmi vous que depuis tu vas acheter ça, mais tu tournes, tu hésites. Voilà. Donc on vend ça en chapeau. Il y en a aussi, vous devez avoir les bracelets si vous mettez ça sur vous. Voilà les bracelets. Pour vous protéger. Donc vous aspergez ça sur les murs de votre maison. Vous aspergez ça. Ça, c'est l'arbre de paix. Le faucon. Ça, je ne vends pas. Mais vous allez chez les floristes. Les floristes ont ça. Je déclare que pendant que vous allez faire votre rituel, vous allez asperger l'eau. Toute situation persistante dans votre vie. Ces bracelets, si je vends ça aussi, je vends. Toute situation qui a persisté dans votre vie est éradiquée au nom de Jésus. Vous allez seulement chercher l'arbre de paix. Bon, je sais que vous êtes en Europe. Les gens d'Europe, vous n'avez pas l'arbre de paix. Vous pouvez trouver le balai. Mais voilà, elle dit que les fleuristes en France ont ça. Prenez seulement la photo, donc filmez. Je reconnais aussi parfois que Marie, si tu veux un entretien, je vais faire les consultations aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour des consultations. Donc après ce direct, tu me contactes, ok? Sur un des numéros, tu dis que tu veux la consultation avec moi. 00237-693. Prenez de quoi noter. 693-50-22-66. Certains d'entre vous êtes aussi très paresseux. On dit comme ça, vous ne sortez pas pour aller chercher. Vous êtes paresseux, vous êtes lourd. Donc, vous utilisez ça avec le sel de couleur. Donc, j'ai dit le numéro, c'est le 00237-693-50-22-66. 693-22-66. Si c'est dans les 24 heures, ce sera la consultation express. Donc, c'est 100 euros. Ceux que j'ai déjà planifié de consulter, vous me contactez. Je peux vous consulter aujourd'hui. Ceux qui ont payé moins que ça et vous avez mis sur des jours. Bon, il y a le rituel qu'on allait faire à l'eau. N'oubliez pas ça. Je pense que c'est tout. Hein. On a méditation ce soir. Si vous n'avez pas encore payé votre méditation, on a méditation ce soir. N'oubliez pas. Méditation, c'est ce soir, 21h. Tifa Kalobe, va regarder mes autres vidéos si tu ne connais pas le sacrifice à l'eau. Parce que je ne veux pas, quand vous venez d'arriver, vous allez d'abord vous connecter. On a le sacrifice collectif qu'on va faire dimanche. Donc vous envoyez votre nom et vous envoyez ces 20 000 pour ceux qui vont participer au collectif. Ceux qui veulent que je fasse ça personnel pour eux. Personnaliser, c'est 45 000 par personne. Voilà. Bon. Je mets la paix sur vous. En France, si c'est pour les bracelets, tu commandes, on va t'envoyer. Ok? Prends le numéro de la France. 0753
95 56 69. Je déclare sur votre travail spirituel la bénédiction. Je déclare sur votre lavage aujourd'hui la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucune âme forgée contre vous ne peut prospérer. Pendant que vous parlez dans votre maison, je mets la paix. Je mets la paix. Je mets la paix. Certains d'entre vous, le chapeau, c'est que vous allez acheter. Vous allez accrocher ça dans votre maison. Accrocher ça au salon. Henriette Biabi, si tu veux t'inscrire dans la méditation, inscris-toi. Vous allez vous demander les prix des choses, les prix. Vous voulez les choses, mais vous ne voulez pas sortir l'argent pour ça. Voilà les numéros. Prends les numéros, tu appelles, on va te dire. Voilà pourquoi vous voyez votre problème. On va vous bloquer avec l'argent. Quelqu'un dépense 3 millions pour te bloquer. Tu viens, tu veux sortir 20 000 pour te débloquer. C'est pour ça que tu es attaché. Quelqu'un va mettre le beurre à terre pour toi. Pourquoi tu n'avances pas? Tu es chaque jour là, tu veux lancer la poule, tu lances la poule. Le spirituel ne blague pas. Quelqu'un d'entre vous doit mettre le chapeau si vous devez accrocher ça au salon chez vous. Et l'arbre de paix. Plantez aussi l'arbre de paix. Vous mettez ça. Ça doit être dans votre. J'en ai ici dans mon bureau. Voilà, ça va beau point. Mais il est clair que tout business que vous allez faire aujourd'hui va marcher. Tout client que vous avez oublié, il se rappelle de vous aujourd'hui. Et vous-même, votre force revient à vous. Et après, quand vous allez partir, vous lavez, mettez ça dans l'eau aussi. Vous prenez, vous aspergez sur votre corps comme ça là. Que je restaure mon corps, voilà. Vous faites comme ça là sur vous. Vous avez suivi, non? Il y a les bracelets pour enfants. On a diminué les tailles, il y a pour les enfants. Donc, on a les bracelets pour enfants. Marie-Pierre, si on va faire les sacrifices de mardi. Donc, si tu as déjà fait le book, tu peux refaire mardi. Ne blaguez pas avec votre spirituel. Ce que je vous dis, là, on ne va pas vous dire ça à l'église. Et certains de vos pasteurs, là, ils peuvent te faire le bouquet. Ils font les bœufs. Parce qu'ils veulent que l'affluence vienne. Ils connaissent les principes. Ils ne vous enseignent pas. Plantez ça dans votre maison. Bon, vous passez une bonne journée donc. Celle qui voulait le kit, tu peux commencer en fonction de la situation. Prends le kit de déblocage plus. Et les bracelets, il y a les bracelets pour les enfants. Il y a la taille adulte et la taille enfant. Et on livre. On livre à Douala, on livre à Libreville. La livraison à Libreville, c'est 3 000 francs. La livraison à Douala, c'est 2 000. Marie, tu dis que tu vas me contacter. Ne me contacte pas. C'est toi qui souffres, non? L'autre jour, une fille, je devais consulter une fille. Elle m'appelle. Chaque fois qu'elle m'appelle, je suis occupée. Parfois, je lui dis, ok, on va commencer la conversation dans 10 minutes. 3 minutes plus tard, quelque chose se passe. Après, elle se fâche. Remboursez-moi. J'ai dit que ma chérie, tes 34 000 que tu as payé là, hein? Certes, je peux te rembourser. Mais tu ne penses pas qu'il y a quelque chose qui te bloque? Tu ne penses pas? Insistez sur vos choses, oh. Il y a une à Dubaï comme ça, là. Elle achète les produits. Déjà, quand elle est lavée, j'ai dit que tu n'as pas de blocage, c'est là, tu dois continuer ton travail. On prend ces produits, on donne au transitaire. Première fois, il arrive à l'aéroport. Il a raté son vol à cause des produits de la femme, là. Ça l'a énervé, là, qu'il ne prend plus. Mais c'est quoi ça? La police vole, on dérange, que c'est quoi ça? C'est quoi ça? Là, moi, je crois que je suis sûr qu'il a payé les pénalités et puis il a pris notre vol, il a décédé le produit de la femme. On cherche un autre moyen pour envoyer. Une autre dame qui veut seulement m'aider, oh.
Elle ne prend pas de place son transitaire. Son taxi, même agent de taxi que personne ne paye là. Elle fait les navettes à Douala. Elle donne. Le transitaire prend, on envoie. Ça arrive à Dubaï. Ils ont mis dans les cartons de quelqu'un qui avait reçu sa marchandise. La personne est venue porter tout. Il est parti avec. On dit à la femme qu'on a envoyé tes produits. Le transitaire dit que, wow, maman, quelqu'un est venu porter, il est parti avec. La femme commence à se fâcher. Wow, wow, j'ai dit que ma chérie, on a envoyé tes produits deux fois. Tu ne vois pas? Que tu es bloqué. Remboursez-moi mon argent. Remboursez-moi. J'ai dit que, ouais, Seigneur, vous ne comprenez pas. Oh Seigneur, que Dieu vous guide seulement. Vous comprenez? Soyez persistant, persévérant. Tout le monde me dit que chaque fois que je me lave le sel, quelque chose se passe. Chaque fois que je vais acheter tes kits, mon agent part. Dès qu'il met l'argent pour acheter les kits, l'argent disparaît. Ou un problème, une maladie va sortir. C'est l'argent de la consultation. Hein? Tu mets l'argent de consultation, d'accord, le jour là, un problème se passe. Tu sors. L'argent de la dîme, tu mets l'argent de dîme de côté, un problème sort. Soyez, écoutez, vous êtes dans une bataille, écoutez, il y a des entités qui se lèvent, ils viennent vous empêcher de faire votre travail spirituel. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez tomber, l'orgueil va faire, vous allez tomber. Et quoi même que quoi, hein? C'est à moi que tu parles comme ça. Une m'a contacté comme ça une fois, elle a fait, parce qu'il y a tellement de numéros, j'ai des secrétaires qui gèrent. Je vous assure qu'on n'a pas vu son message. Elle avait envoyé l'argent. On n'a jamais cliqué sur la photo pour voir le bordereau d'envoi. Elle s'est fâchée. Remboursez-moi mon argent. Le jour où elle tombe sur son message, elle dit que mamie, je m'excuse. Oh. On n'a même jamais repris ton argent à Western Union. Donc parle chez Western Union, te remettre ton argent. Peut-être que tu n'as pas de démon là, tu n'es même pas censé toucher ça. Une autre m'a dit, remboursez-moi, vous me parlez comme ça. J'ai dit, mamie, pardon. Please, j'envoie à quel numéro? Please. Je vous ai tout dit que je ne suis pas envoyé sur tout le monde. Je ne suis pas envoyé pour travailler sur toute la terre. Donc si tu n'es pas ma personne, dès que tu vas venir, tu vas me faire rêver de moi, pardon, please, libère-moi la ligne. Et tu fais, tu pars en paix, pas en paix. Tu vas encore tourner même 6 ans avant de trouver encore de tomber encore sur quelqu'un qui va que Dieu va mandater pour t'aider spirituellement. Sur Facebook, parcourez Facebook. Si vous trouvez 3 personnes qui font ce que je fais, envoyez-moi leur lien, je vais regarder. Faites, copiez-le, envoyez mon lien de leur vidéo. Que mamie, voilà, j'ai vu une fille comme toi. Bonjour la reine Daniela. Quand tu trouves ta partie, tu trouves ton endroit, ta bénédiction, accroche-toi. La foi s'accroche. Que je n'ai pas nulle part. Je suis là. Adé. Je viens vous bénir, je bénis cette journée. Je déclare que tout ce qui avait fait osciller votre foi est enlevé de votre cœur. Tout pays dans lequel le Seigneur vous a envoyé, je déclare qu'aujourd'hui, vous recevez le visa, vous recevez la lettre d'invitation pour partir dans ce pays-là au nom de Jésus. Tous ceux qui vont payer la dîme dans ce ministère, je bénis vos dîmes. Même les dîmes que vous envoyez sans me dire, que je vois, vous envoyez, vous ne me dites même pas. Je bénis ces dîmes-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis. Bonne journée.